fait, au niveau de la production, il y a aussi beaucoup d'instruments. Par exemple, parfois, il y a vraiment beaucoup de couches de claviers et d'instruments. Et donc, c'est des choses qui sont difficiles à reproduire en live. Mais c'est intéressant aussi, puisque je retravaille avec les musiciens avec qui m'entourent. On réarrange les morceaux. Et du coup, il y a quelque chose d'un peu plus live, un peu plus rock. Les influences qui me portent le plus, c'est souvent la musique de la fin des années 60 et début 70, mais vraiment beaucoup de styles différents. Je ne me mets aucune limite en termes de création dans le futur, quoi. C'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est que si j'ai envie de faire un album de chansons françaises ou un album de reggae dans plusieurs années, bah je le ferai avec plaisir, puisque j'écoute tous ces styles-là aussi. I learned piano when I was like, I think like 7 or 8, probably was when I started. And then I kind of, even like really early on, I was messing around with my own little ideas. I mean, I fell in love with various bands very early on. It was people like Stevie Wonder, Prince, and Michael Jackson. I play with a drummer. That was always my setup. So it's me and a drummer. And then I've actually just introduced this new member who is also a drummer, but he's going to play keyboards as well. Rhythmically, it's quite rich. You know, there's quite lots of percussion and the interplay between the two of them. I think is, I mean, it's on the album, but I think it comes through more in the live show. Assez formel, où c'est des chansons, même si dans le fond effectivement les influences sont très variées et se mélangent de manière un petit peu hétéroclite et pas forcément respectueuse des habitudes, des traditions pop, etc. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien à l'avenir devenir beaucoup plus libre et justement me libérer un petit peu des carcans de chansons, de morceaux pop, etc. et de fabriquer des formes qui n'aient pas forcément cette rigueur là, en fait, cette rigueur rythmique ou cette rigueur de formelle, en tout cas, et justement devenir peut-être plus sauvage dans ma manière de faire de la musique, c'est-à-dire en éclatant un petit peu la forme.